C'est les touring cars, on dit, c'est les touring cars. C'est du touring car, et ma mère, c'est du touring car. Ah bon? Putain! Ah non, non, parce qu'elle a pas une belle silhouette. Oh! Oh! C'est pas celui de mère! Parce que Andy, lui, il balance le fric depuis qu'il a fait 1600 vues. J'allais dire, on a pas tous la YouTube monnaie de. En parlant de ça, tu l'as monétisé la vidéo? Bah ouais! Et alors, t'en es à combien? 60 centimes! Alors, ça paye pas YouTube, hein. Ça achète une livrée! Ah, remarque, ouais. Ça me paye des p. Depuis 60 cents! Ah bah dis donc! Ça te paye l'encre pour imprimer la photo d'une. Mais sinon. Et encore? Allez! C'est un beau jeu! Mais t'as 56 gars! Les deux cochonnes allemandes. les cônes, dis donc. Zwarte Tiche. Allemande aussi. Ah, c'est un bonjour. Je fais des conneries. Putain. Bonjour, je suis Helmut. Tournant de. Ça s'appelle un virage. Apprenez-le par cœur, on l'a au championnat celui-là, les gars. Tu déconnes? Mais on n'a pas la ligne droite. Et ben je vois qu'il y en a qui sont putain, grands. On va hein. Se chier dessus. Mais... Le pire c'est pas celui-là. Hein. Je pense que c'est Macao. Oui. C'est ah la non, courte. Il est bon. Oh, mais, non, Macao il est simple. Macao tout le monde le connaît maintenant. On a déjà tous roulé dessus. L'épingle en F3. Elle passe pas en F3. On va retrouver un moyen. Ah mais le dernier secteur. Oui, elle passe, en BM, il faut la prendre violée, à 10. Il faut limite faire une manœuvre. Le frein à main, messieurs, le frein à main. Ouais, sur le F3. C'est ça, le frein à main. Tu l'inventes. Je sors une pagaie et tu dans le salon. Est-ce que vous voulez une anecdote chiante? Non. Allez. Je vous laisse patienter. Bah, surtout, je finis mon tour. Oh, le teaser. Oh putain, Stripteaseuse. L'autre, il nous chauffe et puis après, bah, il nous dit rien. Allez! C'est-à-dire qu'il améliore ça. Ouais, ah. Je viens de reprendre la tête, ouais. Bon, j'arrive, ah, c'est bon. Mais tu viens de la perdre. Oh non, mais please, il va me faire le coup à chaque tour. C'est infâme. Ah merde, là, bah, pas celui-là. L'histoire, en fait, c'est qu'en 1988, le célébrissime Jean Ragnotti participait au championnat de France de super tourisme avec une Renault 21. Et on savait qu'il allait être champion au Paul Ricard, et comme c'était le spécialiste du frein à main, pendant la nuit, les ingénieurs ont monté à l'insu de la FIA un frein à main pour qu'au moment où il passe la ligne d'arrivée, il fasse un 360 sur la ligne. Il a gagné la course le lendemain, il a été champion et il a fait son 360 au nez à la barbe de tout le monde avec une voiture de super production. Voilà. Y'a beau ça. C'était le point culture. Demain, les pollutions nocturnes d'Alfred Neubauer. Bon, donnez-moi dans la ligne droite, YOLO. Hein. Oui, mais t'es le 9ème à avoir mis un chrono, Emmerich. Mais après, dans les virages, par contre, on va se faire. C'est ça. C'est qui la M3 John Player au premier virage là qui. Bah, j'ai essayé de faire des donuts, mais ça va marcher. D'accord. Je fais feuille des temps, y'a personne. Yes, bah oui, c'est de normal. Course. Ah, bah oui, y'a pas d'essence, c'est vrai. Y'a pas d'essence, y'a pas de dégâts, y'a pas de pneus, on peut y aller gaiement. Y'a plus d'amour propre, y'a plus rien. Ah, donc y'a pas de pénalité, on peut partir. Y'a même pas ça. De grid devant la pit lane, on en parle de ça. Les pages jaunes. Boum. Oh putain. Ah, Maxou. Ah, cet anti-patinage, merci. Oh. C'est clair, le départ des M3. Ah, ouais. Départ à chier de la GTR. Bandit, mais va plus vite, tourne, accélère. Oh, il sera pas sur Paul. Non, je te file des coups de portière, c'est pas pareil. À l'intérieur, Rodrigue. Sinon, Rodrigue, viens, il fait d'avoir fait la voiture que moi. Oh, l'assassin, ah, je l'ai vu. T'appelles le pardon. Sur ça, il va faire 11ème sur 10. Hein. C'est même pas ça. Zoltan, on va bien te faire mettre. Attends, y'a le virage. Oh, on part les briques ou. Attends, j'ai un char suédois en face de moi. Ah, il a même la couleur quoi. Tu vois, je te disais, Andy. En virage, ouais. C'est autre chose. Hein. Ça bouge, je suis désolé, mais. On a le cul large et il balance. Oh, toi, je suis sale. Je suis pas un peu en train de me faire enfler sur ce départ là, parce que.
Bah, Emric, merci en tout cas. Deux. Oh, d'être venu. Pourquoi ? Oh, parce que... Ah ! Il en profite, le salaud. Il en profite. Je suis pas passé, moi, encore. Oh ! Ça y est, je suis passé. Aïe ! Oh, le passage de rapport. Le PDC. Les pachos. Là, je fais de la merde. Oh, putain, pourquoi je freine comme les M3, moi ? Oh, j'ai vu mon rétroviseur, elles sont toutes parties. Les 4 sont parties dans un balai. Putain, tu vois, je mets une vitesse dedans, le temps que... Putain! KO! Désolé les gars, j'ai voulu freiner. Je déconne, Emric, mais devrait quand même une Volvo et une M3. Ah ouais? Emric, ah ouais quand même. Alors, oh, je viens de broyer une boîte. On s'en fout, y'a pas de mécanique, on peut taper dedans. Tapons dedans. Tape dans le fond. Tape dans le fond, c'est pas ta mère. Voilà, je tape vraiment dans le fond parce qu'avec la boîte en H. Ce traction de contrôle, il m'horripile. Ah, il me stresse là. Je peux pas la faire partir. Ouais, mais surtout, ça tient quoi. Ah, mais non, ça tient trop avec la GTR. On peut pas la balancer. Mais elle est encore plus cheatée du coup, parce qu'avant elle décrochait parce qu'elle était trop puissante, mais là elle décroche. Ah ouais, mais non, mais moi je sais pas la conduire quand t'es. T'as fait la même que moi. Bah, je me calque sur toi pour essayer d'attaquer, mais. Ah, tu peux tenter ta chance en une droite. Ah putain, qu'est-ce qu'elle fait, like. Ouais, bien sûr, ouais. Oh, oh, Emric, meilleur temps. Ah vache, prends en photo. Alors F12, c'est fait. Parce que là, waouh. Tu protèges. Je suis 2 secondes derrière, il ferme l'intérieur, Emric, t'es tellement peur. Ah, là, fallait la fermer la porte par contre. Mais bon, t'es tranquille, hein. Oh, non, je suis pas tranquille. La Volvo et la M3, c'est chaud devant, hein. Ah, mais en ligne droite, il me tue. Mais je rute. Putain, cheater. Mais non, là, la Volvo, aussi vite. Là, je pense que je peux encore gagner, quoi. Ah, eh bien, salut. Ah, vu comment on se bat comme des chiffonniers, il y a bien un de nous deux qui va se mettre dans le décor. Ouais, allez-y. Le mec est derrière. Si, va. Allez, go. T'as avec la boîte en H, c'est tellement le pied, putain. Ah bah voilà. Eh bah, y'en a un qui s'est mis dans le décor. C'est pas le bon, malheureusement. Putain, mais Rodri. Bah t'avances pas. Oh, la Volvo. Oui. Oh, c'est beau. Ah, c'est tout. Alors, 10 minutes de course. Ça va. Oh, l'intérieur de la Volvo, c'est beaucoup trop tendu. Ah, j'ai trop ouvert. Encore un peu. Encore assez pour la mettre. Assez. Non, pas cette même. Mais j'ai trop ouvert, c'est chiant. Oh. Ah, j'ai trop ouvert. Oh. C'est Maxou qui va tirer les marrons du feu. Ah, mais tellement. Oh, l'expression. Eh, j'ai un copyright là-dessus. Hein. L'expression toute faite, les marrons du feu. Ce qui est bien, c'est qu'on est avec la même caisse et on arrive à mettre à l'amende des Volvo et des... Ouais, mais c'est les pilotes après. Oh, j'ai oublié mon freinage. C'est gênant. Surtout à cet endroit-là, ouais. Bah, ça pardonne pas. Hein. Parce qu'en plus, la piste est en banking, mais derrière, c'est creux, en fait. Je l'ai rattrapé, je sais pas comment j'ai... Yo, il l'a vu, hein. J'en ai profité direct. Ah, la vache, la glisse. Alors, j'invite tous les viewers, pendant que je suis en tête, il ne se passe pas grand-chose, évidemment, donc bah, à mettre un petit pouce bleu. Et à vous abonner. Et à ouais. Vous abonner. À la chaîne du Quoi Simulateur. Quoi Simulateur, on se calme tout de suite, hein. Alors, aujourd'hui, le point G, c'est le truc. Alors, c'est Andy... Arrêtez, j'ai vu des trucs sur Malaise TV. Andy Wheeler. Des tutoriels sur YouTube, je crois pas que ce soit pas Peggy 18 quoi. Sur YouTube, hein. C'est bon ça?
Ah non, c'est pas bon, c'est très gênant. Alors, comment se mettre? Oui. Voilà. On s'arrêtera là. Non mais... pourquoi? Bip! Pourquoi? Mais oui, mais pourquoi toujours cette... trop loin, quoi? Rah. Cet homme n'a pas d'allumé. Attends, j'ai une tache sur mon rétro. Ah non, c'est Volvo. Le non mais please. Le rupteur, il me faut une sixième. Putain, mais comme il revient l'autre derrière, va te faire voir. Ah. T'as en un tour, j'étais bien, et puis la Volvo. Je pense qu'en Gatwheel, j'aurais tellement broyé la boîte 10 fois. Pareil. Parce qu'en plus, t'as même pas de bip. Pas besoin. Je t'ai dit, je fais 6-2, moi. Et la boîte, elle bronche pas. Oh non. Putain, il était beau mon drift, je me fais... Et là, t'as le tac-tac-tac-tac-tac du... Oh contrôle. Putain, la Volvo, là, elle est toujours limite, hein. Toujours à la limite, hein. Ah ouais, c'est chaud, c'est chaud. Oh là là, ce virage. Oh, c'est l'autre qui me bourre. Tot 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 tot, j'essayais d'éviter la catastrophe nuance. 50. Je sors qui la grande. Ah putain, mais même la BM elle revient derrière. Scholz, c'est chez nous ça? Non. Non. Ils vont très très bien. Un Allemand. Il t'a dépassé sur ça? Ouais, ils vont très très bien, franchement. Oh, putain de merde. Allez. Je vais descendre pour me pousser. Mais non, mais je pensais que t'allais te remettre à la spi en fait. Putain, j'arrive pas à revenir sur Rodrigue et Andy avec la GTR, ça craint. Ah oh putain, 6 minutes. Putain, à chaque fois que tu passes une vitesse, j'ai l'impression que tu fermes ton micro. Ah désolé. Ah oui, ça s'entend chaque fois que j'en mets une, merde. Bah allez. Ah bah au moins, vous vous entendez bien que je vous mens pas alors. Oui, parce que pour ceux qui regardent la vidéo sur la Launch Life, ils l'avaient pas. La pardon. T'es sûr de ça? C'est le mec qui prend photo sa main, tu sais. Ah, c'est un américain. We live in America. Ouais, je me fais un peu décrocher, ça va pas, ça. Si ça m'arrange, moi, je suis la Volvo qui est derrière toi et... America, fuck yeah. Fuck yeah. Gonna learn one about my baby. Je crois que c'est le réveil de Trump. Non, c'est la marche russe pour lui. C'est son réveil, non. C'est sa sonnerie, c'est sa berceuse. Mais comment ils font les deux devant là? Merde. Revenez. Oh merde, 18 secondes. C'est plus du maximum attaque là. L'assassinat de mécanique en bonne et due forme. C'est excessivement énervant d'entendre des gens qui se battent alors qu'on ne se bat pas. Ah si, moi je me bats là. J'espère que vous kiffez parce que moi je m'éclate avec mon pogo. Tu fais ce que tu veux avec ton pogo. Tu sais, monsieur l'agent, je voulais trop vite. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus pris le temps de le paramétrer pour piloter avec. Oh, 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 mais j'ai rien demandé moi. Est-ce que ça partirait sur une terrible embardée? Eh bien sûr, qui me revient dessus, le Schmoll, enfin Scholz. Le Schmoll. Le Schmidt. Le Spoutz. Grand acteur, Smain. Hein. Oui. Il nous a quitté trop tôt. Ah bon? Ah, avant le dessert, lol. Lol, MDR, le dessert. Ouais, mais t'es sérieux? Non, non. Eh oh, tu restes derrière, Gaillard, hein. Ouais, Gaillard, hein. De toute façon, t'as qu'à attendre, dans 5 secondes, t'es devant. Voilà. Ah, t'as passé la 3, là. Oui, je sais.
Mais comment je passe de P2 potentiellement victoire à P4? Bah faut dire ça à l'OTM 3 hein. Le turbo. Le salaud qui fait exprès de ralentir, c'est... Oh merde. Sérieux? Oh non. Car je retourne. Oh Maxou. Quoi? C'est moche. Oh, t'as vu ma photo? Emmerich, tu m'as fermé la porte. J'ai rien fait du tout. Wesh, Emmerich, wesh. Ouais, j'ai pas fermé la porte. Oh ouais. Je me suis fait envoyer en l'air par Maxou. Et alors t'as aimé ça? Par Yo-Yo. Tu pourrais dire que tu non, moi je t'ai retourné pour que tu reprennes la piste dans le bon sens. Non mais, je suis pas vraiment youtubeur, mais... Ma vengeance ce week-end sera terrible. Ouais, ouais, ouais. Sur Overcooked ou au poker? Au poker. Au poker. Non! Mais c'est quoi ce sous-virage improbable? J'ai rien eu toute la course et là, 2 minutes, c'est Dion si je sous-virais pour l'emmerder. Ça va être hyper ensemble. J'adore le concept. Ah, Andy, t'as peur, hein? Non, je défends viril, mais correct, donc ça va. Donc non, je ne te crains point. Et je te crains encore moins maintenant. Putain, c'est jouissif quand tu vois les secondes dans les droites que tu gagnes. J'attends le turbo de Totan. Je vois ça, tu prends comme un porc. Sur une ligne droite. Ah, oh, turbo de la GTR, il fait mal. Ah ouais, non, mais je l'ai entendu à côté de moi, c'est... Je déclare officiellement la M3 E30 meilleure touring car de l'histoire. Sans déconner. Et le silence fait que tout le monde ici est d'accord. Alors. Non, je vais dire une connerie, genre la GTR, tout ça quoi. Non. T'as vu le classement là? Bah, mais ça dépend du pilote. Oh, ça fait justement. Du bien. Ah, merci, c'est gentil. Oh, ça fait du bien. Oh, je bouge plus. Ouais, je bouge plus. Ah, je bouge plus. Là, je l'ai pas là. Putain, dernier tour, hein, bientôt. Ah, on y est là, 56 secondes. Andy. On va. Ça va, ça se passe. Mon Dieu, t'arrives dans la ligne droite. Elle aurait été belle celle-là. Ah ouais, il y aurait de la bagarre. Moi j'ai une vidéo compromettante. Hein. Pardon. Un virage. Bon, bah, c'est pareil. Putain, une deuxième virage. Jusqu'au moment où deux M3 sont rentrés dedans. Mais non. Une M3 rentre dans une GTR, puis une autre M3 rentre de nouveau dans la même GTR. Andy. Donc la GTR est deux fois impliquée, donc elle est deux fois fautive. Non, voilà. Pas ça, moi l'air me fait pas peur. Ça va, avec tout le Z, j'ai l'impression que l'air fait peur à personne. Hein. Est-ce que je t'aurais pas un peu b***é la gueule? Est-ce que ça partirait pas un peu sur un si, complet, là. De type non protégé. Ah, là, type non protégé et violent en plus. Et avec gravier. Et avec gravier à la fin. En ce moment, la matraque, c'est à la mode. Peut-être que... Non, mais c'est le cas de le dire. Ah putain, non, Théo. Ah non, pas Théo. T'es ok. T'es vachement in, ouais. Bon, ben. J'ai vu une photo juste avant de vous rejoindre. Non, pas maintenant, après. Après, tais-toi, blablabla. Laisse-moi finir la vidéo. Le haut de Théo, c'est. Oh, c'est rigolo. Le quoi? Peut-être que je démarre le moteur, moi. Je sais pas si mon vol aurait droit. M'en voulez pas, mais je vais quand même le mettre hein, cette fois-ci pour être sûr d'avoir la première. Cible target, Andy. Ah, c'était moi la première course, hein. Mais t'es le pire, toi! Qu'est-ce qu'il fout le dernier là? J'ai envie de dire vivement Noël. Hein. Ah putain! C'est qui est au rupteur depuis tout à l'heure là? C'est moi! Un bolo. Ah, c'est parce qu'en fait il te remet à zéro, d'accord. Silence. Le départ de merde. C'est ça. Oh, t'avais pas vu. Eh ben les rétros, Miglou, je merde. T'as la Volvo et la BM, ça continue, hein. Ah, ça touche, hein. C'est chaud. Ah,
Allez, on repart. Oh, je te remets droit, je te remets droit. Non. Allez. Le sel. Oh, oh non, mais les gars, vous déconnez, hein. Évitez de bourrer, hein. Oh non, putain. J'ai Emery qui me fait l'intérieur alors que je fais l'intérieur à Andy, c'est chaud. Ceci est un... Voilà, ferme. Ferme-la. Le mec se dit de la fermer. Mais tais-toi à toi-même, quoi. Mais ferme-la physiquement, quoi. Physiquement. C'est le moteur. Oh, avec un missile. Oh, ça tente des trucs en Volvo. Bon, bah c'est fini pour moi, les gars. Ouais, bah j'ai fait deux fois le podium. J'aime bien le faire une troisième fois. Oh non, mais voilà. Non, mais c'est moche, ça. Non, mais en fait, Emric, il a soulagé. J'ai soulagé parce que je pensais qu'Emric allait me rentrer dedans, mais Emric a aussi soulagé pour pas me rentrer dedans. Et donc, une Volvo, quoi. C'était une Touring. Bon, je referai pas le podium. On enverra les replays à Max. Ouais, où il sera à l'asile. Ça lui fera du boulot pour les médecins. Bon, bah, moi, je vous laisse, les gars. Allez, la bise, hein. Ouais, la bise, hein. Ouais. Allez, touchez la quête. Salut, hein. Bonsoir. Et si on se revoit, on se met des lunettes, hein. Bisous. Ouais. On se revoit pour la biscotte. Voilà, biscotte. Orage qui. Ah non. Ah, y'a la ligne droite, c'est bon. Allez, Sosoy, un autre tequel, y'a. Je pense que chaque fois que. Chaque fois que je passe une vitesse, mon chat perd une année en espérance de vie. Tellement je claque dans toute la maison. Un chat ? Tu claques le chat, c'est ça ? J'aime bien un chat. Ah, vraiment, j'ai un chat. Eh oui. Ah, c'est, ça c'est bien joué, ça. Ah, c'est moche, ça. Ça, en fait, c'est le GG, ça. Je l'ai perdu. Oh putain, mais vous nous avez laissé Andy en tête. Qu'est-ce que vous avez fait? Abonnez-vous. Je l'ai perdu, j'ai voulu te redresser droit, yo-yo, mais ça marchait pas. C'était mort après. Ah, le abonnez-vous des enfers. Oui, c'est abonnez-vous. Con, je croisais bien, là, c'était marrant. Ah ouais, ouais, ouais. Abonnez à la chaîne Tant Simulator, le coin simulation. Et de mettre votre de pilotage. Et de mettre votre couille. Ah bah non, il y a deux minutes. J'ai commis une erreur de pilotage, ça doit sûrement être un bug du jeu. Ouais. Ouais. Mais non. On a suivi les conseils du coin simulation. Le taunt jusqu'à la fin, quoi. Bon, moi j'attends la ligne droite. Hein. Salaud. Cet homme n'a aucune race. Ah, t'auras même pas besoin d'attendre. Non, 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 je te suis en plus, j'ai la même connerie. Allez, on fait un petit. Non ? J'ai envie de tenter de. Petit push. Laisse mes bielles tranquilles. Ouais, laisse mes bielles tranquilles. Va me le chercher, le petit là-bas. Si je le rattrape, je pulvérise sa voiture. Ouais, je sais. Et moi, je gagne. Ça marche. Et t'auras son t-shirt. Alors, non, non et non. Ah, parce que je pense qu'il y aura un problème de taille, effectivement. Alors, va bien te faire mettre aussi. Ouais, je fais pas 1m45 moi. Le cul buto. Non. Yeah, Sosoy. Bah, ouais. Hein? Dan? Ah, je t'ai vu, je t'ai vu. Ah, je t'ai vu, mais. Allez, viens, gamin. Viens, Sosoy. Je m'accache, je m'accache. Cet homme a un moteur. Merci. Ah, merci, Zoltan. Oh. Je crois qu'on a tous du moteur. De quoi? J'en pouvais plus. C'était insoutenable. C'était. La vision de ce texte, c'était. Quel texte? Bah, meilleur temps de 18 heures. Ah. Allez, ça choque hein, quand t'as pas l'habitude. C'est vrai. Y'a pas grand monde qui a l'habitude, je vais t'avouer, hein. Je m'attends à recevoir un SMS demain matin, genre de Renault, bande de. Vous auriez pu dire que vous rouliez. Renault, on t'aime. Mais tu n'es pas là. Mais tu n'es pas là. Bon, dernier tour, on plante ce seuil.
Il va y aller tout seul. Ah, il va bientôt y aller. Je viens de broyer la boîte. Il a peur. Non, j'ai pas peur. Suis un peu. Tu t'en peux dire. J'ai jamais peur. Et qui au départ de batteur, tu l'as eu peur? Non, ça c'était une... pour la science. Et comment il passe la le... science. Oh, sauvage. Ça veut pas accélérer, là, c'est... Oh, ça c'est une voiture sans permis, ça. Ça c'est un gros sous-virage, hein, Brick. La boule. Il a volé une partie. Mais gaffe, ça, ça il ferme pas trop. Oh, lourde. Oh, il m'envoie dans le décor, en plus. Oh, gros. Quoi? Mais c'est scandaleux, je n'ai rien fait du tout, Emery. Tu l'as vu la BM à la fin? Putain! Mais j'ai rien fait, Emery, hein, sérieux. Ah, elle raccroche. Comment t'as fait ce seuil pour me pousser si fort avec sa si petite voiture? Il a coupé le record avant l'arrivée. C'est ici que je finis la partie. Y'a boule. On dit au revoir. Putain, au revoir. Au revoir. Au revoir. Des tonnes de péniches sur 10 wheelers, c'est un truc. Voilà.